Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce vendredi 28 juin sur votre chaîne d'information régionale pour le journal régional. En images et en 8 minutes, voici l'info du jour près de chez vous et on démarre bien sûr par vos prévisions météo avec encore une très belle journée ensoleillée aujourd'hui dans la région, des températures estivales tout à fait agréables mais pas excessives. 27 degrés à Lille, 25 degrés à Saint-Omer, au Touquet, 20 degrés à Dunkerque. Quand encore aujourd'hui le vent de nord-est rafraîchit l'atmosphère, mais demain la situation va quelque peu s'inverser. Avec cette fois du vent de sud-ouest et donc un air bien plus chaud, plus de 30 degrés annoncés partout dans la région. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal et depuis le début de la semaine. Non pas ici, mais en France et dans d'autres médias. L'actualité dominante, c'est la canicule. On y échappe. On l'a vu dans la région, ce qui n'empêche pas l'inspection du travail d'aller chaque jour sur les chantiers extérieurs afin de rappeler aux ouvriers les consignes de sécurité en cas de forte chaleur. En travaillant plusieurs heures durant en plein soleil, les températures élevées peuvent provoquer des malaises, des insolations. Les entreprises adaptent donc les horaires de travail en démarrant la journée bien plus tôt, dès 6h du matin. Des zones d'ombre sont aménagées et de l'eau bien évidemment fournie aux salariés. Rémi Desremaux a rencontré un ouvrier soumis aux conditions de travail en extérieur et sous la chaleur. On l'écoute. L'adaptation est assez relativement facile. On s'adapte par rapport aux horaires. On commence beaucoup plus de bonne heure pour travailler dans la fraîcheur et finir plus de bonne heure aussi pour pouvoir éventuellement éviter les grosses chaleurs. On a à portée de main une base vie qui est équipée d'un frigo avec nos boissons pour pouvoir s'hydrater assez régulièrement. Les gros soucis qui peuvent éventuellement se poser sur un chantier, c'est les malaises. Les gros malaises. Je pense qu'il n'y a que ça qui peut éventuellement poser problème sur les chantiers. Mais c'est bien de sensibiliser, c'est bien qu'il y ait des gens qui viennent s'introduire dans les chantiers pour pouvoir éventuellement nous mettre en sécurité par rapport à la chaleur. Les militants de la campagne glyphosate dans la région vont porter plainte aujourd'hui au tribunal de grande instance de Lille. Il y a quelques semaines, ils ont commandé des analyses d'urine afin d'établir la présence de l'herbicide controversé dans leur organisme. Et résultat, comme pour l'ensemble des quelques 4 500 volontaires et ayant fait le même test, les 39 Roubaisiens en question ont des taux compris entre 0,38 et 2,93 nanogrammes de glyphosate par millilitre d'urine. C'est plus de 30 fois le seuil de pesticides autorisés dans l'eau du robinet. Et tout le monde est concerné. Personne ne peut échapper aujourd'hui au glyphosate, que l'on soit adepte du bio, du fait maison. Et c'est ce qui fâche les militants, dont Dominique Planck, hier notre invité en plateau. On sait très bien que ça prendra beaucoup de temps. On pense qu'on est parti dans un combat avec les pesticides un peu comme on a eu dans l'amiante, c'est-à-dire que ça risque de durer des années, sinon des dizaines d'années. Mais au moins, ça permet de porter le débat sur la place publique. On commence à voir sortir des études qu'on ne voyait pas sortir avant. On voit aussi l'impact effectivement sur les producteurs, c'est-à-dire Monsanto et Bayer, dont les actions s'effondrent puisqu'elles ont été condamnées aux États-Unis, elles ont été condamnées en France, et avec cette action-là, elles se... Voilà. Donc nous, l'objectif, c'est quand même d'obtenir l'interdiction des pesticides de synthèse, dont on n'a pas demandé par lesquels on n'a pas demandé à être empoisonné. Ces militants vont donc porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, tromperie aggravée, atteinte à l'environnement. Vous l'avez compris, ils demandent avant tout l'interdiction des pesticides dans l'agriculture. Ces dernières années, vous avez forcément entendu parler du frelon asiatique et généralement pas en bien. Pourtant, à l'heure actuelle, aucune étude ne montre réellement l'impact de ce frelon sur la biodiversité. Il ne serait pas plus dangereux qu'un autre et que son cousin, le frelon européen, sauf évidemment pour les personnes étant allergiques. Alors, dans ce cas, bien sûr, il faut vite consulter en cas de piqûre. Autrement, comme pour les guêpes, les abeilles ou ce frelon européen, une fois passée la douleur, certes parfois sérieuse, vous n'avez rien à craindre. Autre idée reçue concernant le frelon asiatique, il serait un vrai problème pour les abeilles, c'est vrai, certes, mais c'est loin d'être le principal souci des butineuses. La première cause de mortalité des abeilles aujourd'hui étant évidemment l'activité humaine et la pollution. Explication au micro de Vincent Vieillard. Pour les apiculteurs, le plus gros problème, ce ne sera pas le prélèvement d'abeilles par le frelon asiatique, mais plutôt le stress qu'il engendre de fait de sa technique de chasse, qui est en fait de faire un vol stationnaire devant l'entrée de la ruche et qui immobilisera les ouvrières pour récolter du nectar pour ensuite faire du miel. Donc il y aura moins de miel et du coup moins de réserve aussi pour passer l'hiver, mais c'est pas le seul facteur et c'est pas le facteur majeur sur le déclin des abeilles en France. Et si on se rend compte qu'il y a des frelons qui sont vraiment très embêtants pour la récolte du miel, à ce moment-là, il y a une solution, c'est de mettre une muselière, c'est un grillage en fait qu'on place à l'entrée du nid avec
quelques 10-20 cm devant le nid, ce qui est devant la ruche, ce qui permet en fait aux abeilles de passer, mais pas au frelon asiatique, et du coup diminuer en fait le stress engendré par la présence du frelon asiatique. Autre image, une mobilisation hier à Lille des bénévoles et militants de l'association L214 contre l'élevage des poules en cage. En cause, une nouvelle vidéo tournée dans un élevage où près de 300 000 poules vivent dans des conditions d'hygiène déplorables. Les poules et leurs œufs sont même couverts de poux. Cette vidéo a été tournée en Auvergne, mais dans un élevage, propriété du groupe Interovo, basé dans le Pas-de-Calais, à Avion. Cette mobilisation hier à Lille, donc, voilà, avait lieu dans la région pour sensibiliser encore et toujours la population. Image signée Laure Montfort, on en reparlera dès le prochain quart d'heure dans notre prochaine édition. On termine avec une question. Comment faire pour trouver un médecin la nuit, le week-end ou quand on vit éloigné des zones urbaines? Grâce à Internet, il est désormais possible d'avoir une téléconsultation à distance via son ordinateur et la webcam. Le site medocteur.com recense déjà une centaine de professionnels de santé inscrits sur une plateforme dédiée pour répondre à toutes vos questions et en vidéo pour vous orienter soit à la pharmacie, soit aux urgences. Cette pratique pourrait bien révolutionner les visites médicales, mais aussi désengorger à terme les services des urgences. Explication au micro de Xavier Silly. Si on parle de téléconsultation, puisqu'on est dans le cadre de la prescription médicale, en fait, il n'y a pas de contrainte particulière, sachant que le médecin, le professionnel de santé qui va prescrire, le prescrit dans le même cadre de responsabilité que quand il le fait en présentiel. Donc c'est de la responsabilité du médecin que de dire « Ok, je vous fais une ordonnance » et avec ces éléments-là. Et donc après, nous, on a tout un dispositif extrêmement sécurisé qui permet derrière au patient d'aller chez son pharmacien pour obtenir ses médicaments et de s'assurer que l'ordonnance ne sera pas délivrée plusieurs fois. Hein. Donc on a un dispositif très sécurisé et on travaille par ailleurs beaucoup en ce moment en intégrant des couches d'intelligence artificielle pour apporter un support aux médecins téléconsultants chez nous pour les prescriptions médicamenteuses et s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication ou autre quand ils délivrent une ordonnance. Fin de ce journal régional. Dans un instant, d'autres infos, dont vos prévisions météo et une autre édition en local à suivre dans moins de 8 minutes. Merci de votre fidélité. Très bonne journée à toutes et à tous.